Jésus, est-ce que quelqu'un est content ce soir? Est-ce que quelqu'un peut regarder son voisin et lui donner le beau sourire? Alléluia. Il y a une notion dans le sourire. Il y a une notion dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut communiquer un sourire à son frère, à sa soeur ce soir? Communique le vrai sourire, le vrai. Alléluia. C'est le vrai sourire. Si le matin il t'a blessé, maintenant il faut le sourire. Dis je t'ai pardonné. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse de sa grâce. Asseyez-vous. Asseyez-vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue encore le peuple de Dieu mobilisé dans cette ville. Vous savez, quand nous parlons de Maroua, ceux qui ne connaissent pas, Maroua, c'est une ville à forte dominance islamique. Ici, le Seigneur, dans cette population hautement islamique, il a pu identifier ses enfants. Ça voudrait dire qu'il y a de grandes choses qui se préparent à Maroua ici. Amen. Il dit, je cherche quelqu'un, une seule personne. Alléluia. Il va dire, qui enverrai-je? Isaïe va dire, le voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit la même chose, qui enverrai-je? Parce que le Seigneur peut compter sur toi ici. Sur qui le Seigneur Jésus peut compter? Alléluia. Il dit, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Pour parler à tous ceux-là qui se perdent. Seigneur Jésus, envoie ma belle musulman. Seigneur Jésus, envoie ma belle musulman. Seigneur Jésus, envoie ma belle animiste. Seigneur Jésus, envoie ma belle catholique. Envoie ma belle protestant. Envoie ma belle évangélique. Envoie ma belle monde. Amen. Amen. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire, Seigneur, envoie-moi. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire, Seigneur, envoie-moi. Dis, je vous envoie au milieu des loups. Tu es prêt à aller au milieu des loups? Tu es prêt quand tu vas commencer par parler de Jésus, on va te lancer des pierres. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Quelqu'un est prêt là? C'est ça l'évangile. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Peuple de Dieu, vraiment, je suis dans la joie de voir les bien-aimés ici mobilisés. C'est vrai que la pluie a empêché encore certains, parce que les voies d'accès sont difficiles. Pour venir ici, là, c'est tout un calvaire. Alléluia. Amen. Et il y a quand même des gens qui ont pu franchir ces calvaires. Ça fait partie des échos de la foi. Bénissons le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait à Maroua. Nous avons appris tout ce qu'il fait ici. Nous avons eu de beaucoup de choses. Nous avons vu les images sur les réseaux sociaux et ça nous a vraiment touché. Et je viens ce soir au nom de tout le monde Jésus-Christ pour vous saluer. Amen. Donc, à tous les bien-aimés qui ne sont pas là, je vais parler de l'évangile Jean-Gratien, parce que Abrous, Dr. Silas, Frère Etienne, tout le monde vous salue. Amen. Et moi aussi, je vous salue. Amen. 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 Donc, depuis hier, nous sommes venus à Maroua dans les très bonnes conditions. Pas que la voie soit mauvaise, mais nous sommes venus dans les très bonnes conditions. Et le ciel nous a bénis par la pluie. Amen. Amen. Alors, dès qu'on est rentré la nuit, il y a eu plus, ça nous a fait du bien. Gloire à Jésus. Amen. Alors, le programme, tel que vous le savez déjà, le programme, vous savez, nous ne marchons pas à l'esprit.
marchons pas l'esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, ceux qui étaient là à midi, il y a 13 heures, on avait dit qu'avec Michel là, on ne fait pas programme. On n'a pas une feuille de route, comme on dit Seigneur. Voilà, on fait comme ça, on fait comme ça. Non. Si tu fais comme ça, là, c'est pas grave. On va te laisser. Mais lui là, c'est ce qu'il veut là, c'est ce qu'on va faire. Amen. Amen. Donc, dans la feuille de route, il était prévu que la mission aille jusqu'au dimanche, c'était ça. Très bien. Alors, compte tenu des réalités, la mission, le Seigneur veut faire quelque chose, veut passer par un raccourci. Alléluia. Amen. Je disais raccourci pour faire de grandes choses. L'Esprit de Dieu est comme ça. Amen. Amen. Donc demain, à la soirée, on a encore un moment de grande prière. Il y a une situation que nous devons rapidement aller régler du côté de Bertois. Amen. Ce qui fait que le programme avec vous va connaître un peu de modification. Amen. Parce que, vous savez, nous avons aussi un temps à passer au Cameroun ici. Et notre retour aussi est programmé. Parce que le vol doit nous ramener le 29. Amen. Amen. À moins que les gens de Marois disent, ok, nous on va supporter le vol. Donc on travaille sur le temps. Donc il y a la formation des serviteurs qui est en vue. Il y a aussi l'église de Yaoundé qui a besoin encore d'un grand travail. Et toi là pareil. Donc il y a Bertois, il y a Bafoussa, vous voyez. Donc il y a beaucoup de missions en cours. C'est pour nous dire que ce que Dieu voulait faire, donc le dimanche, il va faire ses soirées. Alléluia. Amen. Il va faire ses soirées. Et demain, nous allons voir dans quel cause on va faire le baptême. Amen. Amen. Qui sont ceux qui ne sont pas encore baptisés ici? Ceux qui n'ont pas encore été baptisés. Ceux qui n'ont pas été baptisés dans la sainte doctrine. C'est ce que je veux dire. Si quelqu'un avait dit que oui, un de tes bébés a été baptisé. Amen. Amen. Donc il y a pour le moment trois candidats pour le baptême. Tout le monde a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça, non? Amen. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est là, le ciel à toi, on n'est pas là-bas. Tu peux créer Jésus sur la terre. Tu peux faire un miracle, c'est pas grave, parce que le miracle se fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour aller au ciel là-bas, il faut avoir son nom. C'est deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Donc, il faut que ton baptême soit fait selon la sainte doctrine qui est là. Voilà, je suis pour vous donner. Nous allons, dès la fin de cette soirée, on va vous donner le programme pour demain. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le baptême. Et demain, dans la soirée, on doit être tous. On doit être tous de fusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi demain, on va tout faire pour que demain, dans la matinée, on finisse le baptême. Et qu'à 13 heures, on va être fou. Pour le moment, il est dense encore. Là, on va vérifier encore ceux qui ne sont pas encore totalement délivrés. Pour que dans la soirée, ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne descendra jamais dans une vie qui a les esprits de chacun. C'est possible. Parce qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Soit l'un reste et l'autre s'en va. C'est comme ça. Mais c'est Jésus qui va rester. Alléluia. Amen. Donc, je veux vraiment que cette soirée, chacun soit disposé. Que chacun laisse son cœur se transformer par la parole. Peu importe celui que tu es là, laisse-toi la parole. Amen. La parole est pour tout le monde. La parole ne connaît pas enfant, ne connaît pas grand, ne connaît pas bébé, mémé, non. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà la petite annonce que je voudrais faire avant toute chose. Et je voudrais aussi profiter pour dire à quelqu'un, tu es dans la vérité. Alléluia. Amen. Tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité. Les gens peuvent te traiter de laid. On peut te traiter de vilaine, vieille fille, vieille femme. Il faut dire merci. Alléluia. Amen. Est-ce que Satan peut donner bonne appréciation à quelqu'un? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que Satan peut faire une bonne publicité à quelqu'un? Non.
sur la terre, vous aurez toujours cette mauvaise publicité. Quand vous êtes dans le monde, vous portez vos mèches, vous vous maquillez, vous mettez vos vernis, vos mascaras, vos jeans, tout ça là. Est-ce que quelqu'un vous disait que vous êtes filin? Vous êtes filin, vous êtes vieux, vous êtes vieille. Quelqu'un vous dit ça? Non. Non, répondez-moi. Non. Allez. Personne ne vous disait ça. Et le moment où vous avez enlevé les choses là, on va commencer par vous traiter. Ça appelle la provocation de Satan. Pour ne pas répondre. Par Jésus. Amen. Donc c'est pour vous dire que la sanctification est obligatoire. Est obligatoire pour accéder à Dieu. Parce que Dieu parle à Dieu est saint. Et la Bible a dit que rien d'impur, rien de souillé ne peut rentrer au ciel. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça, non? Ceux qui ont eu au moins la grâce de traverser la frontière par l'aéroport, doivent comprendre ce qu'on appelle sécurité. Alléluia, regardez, pour entrer au pays, c'est pour entrer au Cameroun, c'est là, pour le contrôle qu'on met à l'aéroport. On va te vérifier. Tu vas passer jusqu'à l'air. Tu vas déposer des empreintes. Tu vas faire photo. On va contrôler ton passeport. On va voir si tu as un visa. On va voir si tu es vacciné. Alléluia. Amen. Tout ça pour faire quoi? Tu avais vu? Donc les hommes déjà sur la terre ont mis des règles. Oh, le pays n'a rien d'extraordinaire. Alléluia. Mais imaginez le ciel. Imaginez le ciel, le contrôle qu'il y a au ciel. Imaginez le contrôle qu'il y a au ciel. Vous pensez qu'on peut comme ça atterrir au ciel? Le ciel, le lieu de la haute sainteté. Là-bas, c'est la sainteté. C'est pourquoi même Abi dit que des quatre vents, c'est que se prosternent et dit saint, 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 saint. Parce que la sainteté est tellement glorieuse là-bas. Ce sont les anges qui disent saint, saint. C'est eux ne peuvent que dire saint jusqu'à l'infini. Maintenant que notre nom de parler ici, il y a saint au ciel. Parce que Dieu est très saint. Dieu est très saint. Alléluia. Dieu est très saint. Et la sainteté de Dieu nous protège. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un va me dire, ça c'est lors d'une évaluation, je parle de sainteté. Après, on me dit, qu'est-ce que toi tu es saint? Je dis, c'est parce que je suis saint que je te parle. Je suis saint. Je dis, c'est faux. Tu n'es pas saint. Mais finalement, j'ai compris qu'elle a raison. Parce qu'elle a mal compris la sainteté. Alléluia. Amen. Elle a mal compris la sainteté. Pour elle, la sainteté, c'est la pureté, sans péché. C'est pas faux. C'est juste. Sauf que c'est pas comme ça. Si elle comprend comme ça, elle va jamais se sentir. Alléluia. Amen. Ça, c'est le résultat de la sainteté. Vie sans péché. Avoir un cœur pur, ça c'est le résultat. C'est la nature que ça porte. Mais ce n'est pas ça la définition. Voilà Jésus. Amen. Lisez-moi de Lévitique. 20 verset 26. Je n'ai pas encore commencé mon message. Hein. C'est juste en train de préparer le cœur du terrain. Alléluia. Amen. Lévitique 20 verset 26. Lévitique 20, verset 26. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Je lis dans Lévitique, le chapitre 1, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Vous serez saint pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples. Afin que vous soyez à moi. Amen. Le plan. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. Alléluia, est-ce que vous avez compris là? Je vais vous expliquer que beaucoup ne comprennent pas ce passage. Alléluia. Vous pensez que vous comprenez la réalité. Vous n'avez pas souvent compris ça. Reprends doucement. Viens dire quoi? Vous serez saint. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore saint. Alléluia. Parce
parce que vous n'êtes pas encore séparé du monde. Vous n'êtes pas encore séparé de votre nature de rébellion. Donc c'est un appel, c'est une invitation. Vous serez saints. Pourquoi vous serez saints? C'est parce que vous n'êtes pas encore saints. Vous serez saints, c'est pas fini la phrase. Vous serez saints pour moi. Ah, vous avez vu? Vous serez saints pour moi. En réalité, c'est pour Dieu en fait. Vous serez saints pour moi. Pour moi. Il n'a pas dit vous serez saints pour le monde. Il n'a pas dit vous serez saints pour vous-même. Mais vous serez saints pour moi. Moi, l'Éternel. Soyez saints pour moi. Donc, c'est comme si une demande que Dieu formule et aussi une attitude qu'il attend de nous. Vous serez saints pour moi. Donc, en réalité, c'est que Dieu veut te dire que tu es à lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que dans Jean 1, verset 12, que nous connaissons tous bien, que tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de quelqu'un. Enfant de Dieu. Donc nous sommes à Dieu. Alléluia. Donc étant à Dieu, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous portons la nature de Dieu. C'est ce que ça voudrait dire. Mais jusqu'à ce moment où nous parlons, nous ne portons pas encore cette nature. C'est pas dit, vous serez saints pour moi. Je vous ai préparé. Je vous ai séparé du monde. C'est lui-même qui nous a séparés. Mais nous, on est encore dans le monde. Voilà la grande question qui se pose. Tu as dit, mais moi, je suis dans le monde. Ah non, j'ai dit, j'ai confessé, j'ai rejeuni le monde, j'ai réuni le monde, Satan et tous ses œuvres. Ah oui, tu as confessé, mais tu es encore dans le monde. Tu as confessé, ton cœur est encore dans le monde. Alléluia. Amen. Le cœur de beaucoup est encore dans le monde. Si on va prendre maintenant, qu'on appelle la loupe ou bien le microscope du Saint-Esprit, on ne peut pas faire les cœurs un à un, un à un. On va trouver le monde. Monde, 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 monde partout. Maintenant, on va appeler comment le peuple. Le peuple de Dieu, c'est le peuple du monde. Alléluia. C'est la grande question qui se pose. Quand il dit, offrez à l'Éternel votre corps comme des sacrifices vivants. On vient l'Éternel, mais on offre pas tout à Dieu. On offre tout à Dieu. On va offrir des acclamations, mais on va garder notre cœur. Alléluia. Beaucoup vont s'étonner, dire, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu dit comme ça? Non, écoute pas, mais ce que je dis, c'est vraiment sérieux. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore pris conscience de notre nature d'enfant de Dieu. Nous parlons, nous disons seulement qu'on est enfant de Dieu par la bouche. Mais en réalité, par nos œuvres, nous renions en réalité ce qui fait de nous enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est en train de donner encore ce message. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Tu es saint. Si tu reconnais que tu es saint et tu penses que tu es ton père, alors tu dois porter ça dans sa nature. Mais vous n'avez jamais vu un enfant d'un lion qui est mouton. Alléluia. Je ne sais pas. Vous n'avez jamais vu un enfant d'un lion, un mouton. Le lion enfanté un mouton. Vous n'avez jamais vu ça. Son enfant le ressemble, non? C'est plus mal. Si vraiment nous avons été engendrés de Dieu, alors nous devons porter cette nature de Dieu. Gloire à Jésus. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples. Donc, nous sommes séparés des peuples. Dieu nous a séparés des calomniateurs. Dieu nous a séparés des prostituées. Dieu nous a séparés des voleurs. Dieu nous a séparés des meurtriers. Dieu nous a séparés des infidèles. Amen. Alléluia. Est-ce que tu prends conscience? Est-ce que réellement tu es séparé des infidèles? Est-ce que réellement tu es séparé des menteurs? Est-ce que réellement tu es séparé des voleurs? Est-ce que réellement tu es séparé des meurtriers? Est-ce que réellement tu es séparé des méchants? Pose-toi la question. Est-ce que tu es réellement séparé? Donc tu n'es pas encore séparé. Donc tu n'es pas encore enfant de Dieu.
Alléluia, beaucoup sont étonnés quand on va dire, mais en réalité, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Non, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes enfant du monde. Vous êtes encore des enfants du monde. Vous avez encore les rudiments du monde en vous. Vous continuez encore. On continue encore de vivre dans le monde. Vivre dans le monde et vivre du monde. Alléluia. C'est pourquoi ce soir le Seigneur veut interpeller quelqu'un. Et il pose la question, cette question à chacun de vous. Quel est l'état de ta robe? Alléluia. Quel est l'état de ta robe? C'est le thème de ce soir. Quel est l'état de ta robe? Gloire à Jésus. Quel est l'état de ta robe? C'est une bonne question. Quand nous parlons de robe ici, ce n'est pas la robe que nous portons, que les mamans portent. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui dit ici. Alléluia. Amen. Mais on peut comprendre par là au moins. Les robes que les mamans portent, ça sert à quoi? Les robes que les femmes portent, ça sert à quoi? Les robes sont comme sont des vêtements, non? À quoi sert les vêtements? Les vêtements servent à quoi? Les vêtements servent à quoi? À couvrir le corps, n'est-ce pas? Mais par les vêtements, on peut voir si nous sommes propres, si nous sommes sales. Ou bien, c'est ça, non? Les vêtements reflètent notre état de pureté ou de saleté. De propreté ou de saleté. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ce soir, le Seigneur te pose la question, quel est l'état de ton vêtement? Quel est l'état de ta robe? En réalité, la robe dont on parle ici, c'est quand le Seigneur te voit de quoi tu es recouvert. Alléluia. Amen. De quoi es-tu recouvert? Est-ce que tu es vraiment recouvert d'habits qui te rend digne d'entrer dans le royaume de Dieu? Un téléphone était à Garou, on a posé la question. Qui sont ceux qui sont prêts? Il y a beaucoup qui ont levé la main. Je suis prêt. Je suis prêt. Mais en réalité, quand on a commencé, personne n'est prêt. Alléluia. Nous allons lire cette histoire ce soir. Et cette histoire va te concerner aussi. C'est une histoire que le Seigneur lui-même a présentée dans sa parole. Alléluia. Je veux vraiment que tu prêtes attention à ce que nous allons lire dans cette histoire. L'histoire se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22. Alléluia. Allez-y. Matthieu chapitre 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus prena la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là
un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alléluia. Amen. Vous avez tous suivi l'histoire. Amen. Amen. Cette histoire que le Seigneur nous a présentée sous forme de parabole, en réalité, nous concerne. La Bible dit qu'il y a un roi qui a organisé quoi? De noces pour son fils. Quand on parle de noces, on parle de quoi? On parle de fête, on parle de réjouissance. Ou bien, on parle de grand moment de réjouissance. Et c'est pendant ces noces que les invités, quand ils viennent, comment ils viennent? Ils viennent comment? Donc, ceux qui vont au fête de noces, non, c'est mariage. Ceux qui vont au mariage, ils s'habillent comment? Ils s'habillent? Ils regardent dans les garde-robes. Le plus beau vêtement. Même déjà, même le fait qu'on annonce les noces là même, ils vont voir leur couturier. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas encore débouché le couturier, iront au marché. Vont aller dans les grandes boutiques. Parce que le jour à chacun veut montrer quand même quelque chose de particulier. Alléluia. Amen. Donc il y a une préparation qui se fait avant les noces. Quand on va t'inviter à un mariage, déjà le jour quand t'invites, c'est ce jour que tu commences par faire quoi? Par te préparer. Parce que le jour-là, tu veux paraître comme celui qui est le plus bien habillé. Ou bien, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Alléluia! La Bible dit que le roi, ce roi qui était vraiment considéré la première autorité de ce royaume, de ce pays, a convié, a invité les gens. Alléluia! Vous savez, lorsque quelqu'un vous invite, ça veut dire que cette personne vous considère. Alléluia. Amen. Cette personne a confiance en vous. Cette personne attend que vous l'honoriez. Alléluia. Amen. Donc il a convié, il a invité. Comme le Seigneur t'invite à chaque fois. La parole chaque fois t'invite. T'invite à quoi? À qui? À Dieu. Mais malheureusement, lorsque la parole nous est prêchée, lorsque tous les jours nous entendons la parole, nous refusons l'invitation de la parole. Nous refusons de suivre le commandement de la parole. Et ce roi va dire à ses serviteurs, maintenant, allez leur distribuer les cartes d'invitation. Allez dans les rues, donnez les traités. Dites-le que le roi vous invite. Dites-le que les temps sont finis. Venez aux noces. Dites-le d'aller voir le couturier. Dites-le d'aller acheter les vêtements. De se préparer. Alléluia. Ils ont entendu. Ils ont entendu. D'autres, ils se disent, je vais le faire demain. D'autres disent, non, je suis occupé. D'autres même méprisent le message du roi. Juste là, le problème ne se pose pas encore. Alléluia. Amen. Ce qui va énerver le roi, c'est ce qui va suivre. Bien aimé, ce que nous disons ce soir, arrêtez, nous entendons le parler à quelqu'un. Il y en a beaucoup, lorsque on les a présenté la sainte doctrine, effectivement, c'est un rapidement plus simple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec la sainte doctrine? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le dépouillement?
Ce qu'ils vont faire tout à l'heure, vous allez voir ça dans la parole de Dieu. Vous allez constater qu'à un moment donné, lorsque ces invités, ceux qui étaient normalement appelés, ceux qui avaient reçu les quatre invitations, ils ont reçu les quatre invitations. Ceux qui avaient reçu les quatre invitations et qui l'ont méprisé. Ceux qui avaient reçu la parole. Ceux à qui on dit, changez vos cœurs. Répondez-vous. Sortez de la boue du péché. Ne venez pas à l'église en état dans vos péchés. Il y a beaucoup qui sont esclaves du péché, qui sont dans l'église, qui sont dans la sainte doctrine. Quand je dis esclaves du péché, je dis esclaves du péché. Ça dit, le péché a pu les dominer. Au lieu de dominer sur le péché, comme le Seigneur conseillait à Caïn, ils ont laissé le péché entrer dans leur vie. Le péché maintenant a pris le contrôle. Le péché a élargi les périmètres de la maison. Le péché a établi son trône. Le péché est devenu le roi, le gouverneur de leur vie. Ils sont devenus quoi? Les esclaves. Et ils luttent. Et ils luttent. Vous ne pouvez pas vaincre. Il y a toujours quelque chose que tu n'as pas vaincre jusqu'à aujourd'hui. Alléluia! Il y a un péché dans ta vie qui a pris le contrôle. Alléluia! Dis-moi, quel est le péché qui a pris le contrôle de ta vie? Quel est le péché? Malgré tout là, tu es tête. On va parler au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est aussi sa délivrance. Non, Jésus. Amen. Oui, lève-toi. Quel est le péché qui t'a toujours vaincu? Oui, donne le micro. Voilà, ton micro. Le péché qui m'a tenu en captivité et que j'ai du mal à abandonner, c'est la calomnie. La calomnie, c'est le fait de parler mal de mon prochain. Et aussi la colère. Et cette sorte de colère que j'ai, c'est terrible. C'est pas comme ce qui se manifeste comme ça. C'est l'intérieur. Donc c'est ce qui est encore plus grave. Donc c'est lui le gouverneur. Alléluia! Amen. Le gouverneur de sa vie, c'est la calomnie. Et les ministres, là, qu'on ne peut pas citer les ministres, ministres d'État, la colère, ministre de la défense, telle autre chose. Alléluia! Quel est ton combat? Chacun a un combat ici. Alléluia! Chacun a un combat. Donc, tu as dit pour elle, tout à l'heure, on va prier pour elle maintenant, le gouverneur, on va lui faire coup d'État. Amen! On va mettre le micro. Amen! Gloire à Jésus. Amen. Je remercie le Seigneur pour ce moment. Et oui, le péché qui a dominé ma vie, c'est-à-dire le président, c'était la masturbation. Oui, c'est le président. Oui, il y a aussi ses ministres, mais je tends à oublier ça, puisque le président lui-même est dominé là. Je ne sais même pas maintenant qui étaient les ministres. Donc, gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Donc, il est dans la prison de la masturbation. Vous savez, il y a des prisons dans lesquelles, quand vous êtes là, c'est-à-dire, tu rentres d'état, après tu rentres dans une autre cellule, tu rentres, quand tu vas dans un coin. Vous avez vu maintenant? Et quand tu rentres, il y a une clé. Tu rentres, il y a une autre clé. Et le gardien, il ferme tout. Et il met ça sa poche ici. On voit un trousseau de clés. Alléluia! Et lui, il dit, oh, imagine comment tu peux sortir de telle prison. Vous avez vu? Alléluia! Il est dans cette prison. Ce soir, le Seigneur va le libérer. Et toi, mon bien-aimé, dans quelle prison tu es? Chacun va donner
la prison dans laquelle. Alléluia. Jésus va le sortir ce soir. Et vous allez voir ce qui va se passer. La paresse. La paresse. Renvoyez ce qu'il y a à faire aujourd'hui à demain. Alléluia. Amen. Il est dans cette prison. Non, je n'ai pas fini avec toi. Ce que nous faisons là, l'Esprit de Dieu est dedans. Vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Lorsqu'on va commencer, vous allez voir les mêmes esprits vont se manifester. Alléluia. Si quelqu'un dit qu'il est dans une prison dans laquelle il ne se trouve pas, là, là, il n'y a rien pour lui. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me comprend? Si tu es dans la prison du calomnie, ou bien prison de publicité, et que tu dis, je suis prison d'un mensonge. Alléluia! Quand on va ouvrir la cellule de mensonge, tu vas sortir, mais tu seras dans la masturbation, dans la publicité. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Donc tu seras toujours prisonnier. Ce soir, le Seigneur est venu libérer les prisonniers. Amen. Donc, prison de la paresse. Donc, lui, c'est la paresse qui a dominé sa vie. Quand il veut faire quelque chose, ça fait à demain. Alléluia. La Bible dit, maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec comment? Avec une négligence. C'est aussi avec paresse. Tout à l'heure, quand on va aller voir que les paresseux n'ont pas leur place au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le bien-aimé est dans la prison de la paresse. Alléluia. Prenez encore dedans jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus va le libérer. Amen. Quelle est ta prison, bien-aimé? Chacun va parler ce soir devant le trône de grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Bien, ce qui me domine fréquemment, c'est la moquerie. Parce que je voudrais que ce qu'il y a autour de moi puisse rire. Et j'aime me moquer des autres. Et là aussi, il y a accompagné des critiques. Parce que je vois, toute chose devrait être parfaite. Pourquoi tu fais telle chose? Pourquoi telle, telle? Trop de critiques dans ma bouche. Alléluia. Voilà ces choses qui me dominent. Le frère dans la prison de moquerie. Prison de critique. Alléluia. On critique avec quoi? Avec la bouche. Vous savez qu'en enfer, il y a les départements spéciaux pour chaque péché. Et le membre du corps qui essaie de vous pécher là, on prépare un instrument spécial pour ça. Alléluia. Aussi, quand on prend la hache qui a cette tête là, pour frapper la bouche de mon cœur, on frappe ta bouteille dans son. Alléluia. Ça arrache la race de tes dents. Est-ce que tu peux encore te moquer de quelqu'un? Mais cette souffrance sera éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dirais pas le péché qui me domine. Je dirais les. Les. Il y a les. Un. Il y a un là qui, que lui, on appelle l'enfant. L'enfant là, c'est l'orgueil. L'enfant, c'est l'orgueil. Alléluia. L'enfant, c'est moquer pour lui. L'enfant, c'est l'orgueil. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil. Quand on va démonter l'orgueil, c'est que tout le monde va passer par l'orgueil. Tout le monde est dans cette prison. Donc, il y a des gens qui sont dans cellule. C'est-à-dire qu'ils sont passés dans l'orgueil d'abord. Ils sont allés, ils sont allés. Au fond. Au fond là-bas, c'est l'enfant qui est là-bas. Donc quand l'enfant sort, ils vont passer par les autres prisons jusqu'à sortir. Ce soir, le Seigneur va te libérer de toutes ces prisons. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé, quelle est ta prison? Quel est l'enfant de ta vie? L'enfant de ma vie est l'impudicité. 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 Ça veut dire, bon. C'est ma masturbation en fait. Masturbation. Voilà. C'est pendant les rêves. Pendant les rêves. Oui. Donc, on laisse les rêves de côté. Quand toi, mais tu es conscient là. Quand toi, mais tu es conscient là. Oui. Oui. Physiquement. Non, physiquement, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas.
Je ne fais pas. Tu ne fais pas. Physiquement. Physiquement. Oui, oui. Et mais c'est dans le rêve que tu fais ça. Ça. Tu sais que le rêve, là, c'est la seconde partie du circuit physique. Physique. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Amen. Si vous comprenez. Le rêve, là. Si on vous explique les mécanismes du rêve, vous allez comprendre en réalité, le rêve n'est que le résultat de vous-même. C'est le résultat de vos pensées, de ce que vous êtes. C'est ça, en fait. Ce qui n'est pas... Le rêve ne peut pas... Regardez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste, que le rêve n'est quoi? Des multiples occupations de l'esprit. Ça, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Les rêves naissent des multiples occupations de l'esprit. Parfois, on dit de l'âme, mais c'est de l'esprit. Ce que ton cœur est attaché là, c'est ça en réalité. Pendant que tu dors, l'esprit encore travaille. Les désirs non satisfaits de la chair se produisent dans le rêve. Alléluia. Amen. Donc notre frère est dans la prison d'impudicité. Alléluia. Il y a des prisons, quand tu rentres dedans là, on appelle ça les... C'est pour les prisonniers de haut niveau. Alléluia. Quand vous allez aux États-Unis, il y a des prisons dans lesquelles... C'était prisonnier, c'est là-bas ils vont. Quand on dit Guantanamo là, c'est pas les gens qui vont voler 10 000, 50 000, c'est pas là-bas ils vont. C'est les gros criminels là-bas ils vont. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont dans les Guantanamo ici. Alléluia. Si ce soir le Seigneur ne te libère pas de ce Guantanamo, personne ne te libérera. Alléluia. C'est pourquoi quand on est dans une prison, tu ne peux pas réussir. As-tu déjà vu quelqu'un, un prisonnier réussir, construire une maison une fois? Non, dites-moi, est-ce qu'un prisonnier a jamais construit une maison? Est-ce qu'un prisonnier s'est jamais marié? Alléluia! Est-ce qu'un prisonnier a jamais de l'argent? Ok, même s'il travaille de l'argent, l'argent appartient à qui? Appartient à qui? Au chef prisonnier. C'est lui qui prend l'argent et il va lui donner ce qu'il veut. Alléluia! Vous voyez les dangers d'être en prison? Ce qu'on dit, c'est sérieux. Chacun va prendre ça au Seigneur pour prier ce soir. Nous allons déloger les hommes forts qui se cachent dans notre vie. Quand on parle des hommes forts, laissez les petits sorciers avec les dents pourries au village, laissez-les tranquilles. Alléluia! Les vrais hommes forts, c'est le péché qui vous a dominé, qui vous a vaincu. La Bible dit que l'homme est l'esclave de ce que, de ce qu'il a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Quel péché a eu le triomphe? Quel péché a le trophée sur ta vie? Quand tu, quand tu vois le péché, tu le vois comme une grande montagne. Tu dis, je ne peux pas. Je fais tout, mais je ne peux pas. Je fais tout, mais je ne peux pas. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui va t'aider à briser cette montagne, à renverser. C'est un fort. Mais il faut que toi-même, tu dis, voici la montagne du péché de ma vie. Quand je viens là, je fais tout, tout pour ne pas convoiter une femme. Je ne sais pas comment ça se passe. Et je finis toujours par tomber dedans. Je fais tout pour dire, je ne veux plus jamais regarder la pornographie. Je fais tout, je fais tout, je fais tout. Un jour, deux jours, trois jours, pour un quatrième jour. C'est quoi, tu viens comme de la diarrhée. Alléluia. Vous savez, quand tu n'allais pas quelqu'un là, même si tu ne parles, il ne va pas t'écouter. C'est lorsqu'il va finir là, qu'il va dire, tu as dit quoi? Alléluia. Père, ce que j'ai sérieux. C'est sérieux. On ne s'amuse pas avec le péché. Celui qui s'amuse avec cela est étonné au portail du ciel. Il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Alléluia. On continue. Même il y a les enfants en enfer. Est-ce que tu sais ça? Les enfants aussi vont en enfer. Quel est le péché? Le péché qui me tient pour plus, c'est la haine.
La haine. La haine. Comment elle se manifeste? Tu haïs tes frères, c'est ça? Pourquoi? Peu de choses là. Quand tu vois peu de choses, tu les haïs. Ça se passe comment? Tu te fâches, c'est ça? Ou puis tu ne les salues pas? Ou quoi? Ou bien? Dis-moi. Tu te fâches vite. Tu te bats avec eux. Et à l'école. À l'école, c'est la même chose. Donc tu as la haine. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Oui, mais il y a quelque chose que tu n'aimes, que tu ne supportes pas. C'est pour toi, tu as la haine contre les gens. Quoi? La moquerie. Donc quand on se moque de toi, tu en même temps tu haïs la personne, c'est ça? Tout à l'heure, on va passer au scanner. Alléluia! Suivant. Dis-moi mon frère. Quel est l'enfant de ta vie? Alléluia. Amen. Oui. Moi, l'enfant de ma vie, c'est la colère. La colère. La colère. Alors, tout le monde a la... Ah, cet homme fort là. Le papa de colère se manifeste souvent quand j'avertis une fois, deux fois, troisième fois. Là, je m'engage. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous serez étonnés, mais de certains péchés. On appelle ça les péchés jumeaux. Alléluia. Quand vous voyez ce péché là, c'est qu'il y a ce péché, il y a ce péché, il y a ce péché. Ça, c'est le discernement qui vous aide à comprendre ça comme ça. Alléluia. Donc l'enfant, c'est la colère. La colère. Très bien. Et toi? Dans quelle prison tu es? Bon, moi, ma prison, l'enfant, c'est la convoitise. La convoitise. Oh, oui. La convoitise. Donc, avant, ça peut être la convoitise charnelle. Charnelle. Matérielle. Matérielle. Il y a la convoitise des yeux. La croix de la chair. La chair. Les deux. Oui. Alléluia. Oui. C'est qui dit là? Si vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est pas seulement. Alléluia. Amen. Dis la convoitise. La convoitise, c'est la racine du péché. Je me rappelle très bien, c'était à Cotoro, on était allé. Non, oui, au Bénin, on était allé dans une ville au nord pour affermir l'église du Nord. Et on priait pour une sœur. Et il y avait l'esprit qui s'est manifesté. Et l'esprit disait, qu'est-ce qui s'appelle convoitise? C'est qui s'appelle convoitise? On pensait que c'est un petit esprit. Alors que c'est une légion. C'est une légion. Qui s'appelle convoitise. C'est là que j'ai compris que, attention. Donc, quand on parle, quand on prend des péchés, en réalité, c'est que les gens ont tendance à banaliser. Oh, les péchés puissants des ténèbres. C'est pas quand vous confessez, parfois, mais c'est que ça irrite même le cœur de Dieu. Amen, donc, vous confessez. Confesser ce péché, vous avez que on est triste. Ça fait tellement mal. On se voit sale. On regrette. Tu confesses le péché à peine tu sors de l'église. Mon copain, je t'entendais depuis. Allez, on s'en va. Elle va attacher son frère. Faut venir voir. Elle dit chiffre maintenant. Ah oui. Les caméras du ciel voient tout en détail. Même nos pensées, Dieu entend ça. Dieu entend nos pensées. Ce que tu penses en
pensée au mal. Dieu l'entend clairement comme je te parle au micro. C'est pourquoi tu ne peux pas te cacher à Dieu. Alléluia. Amen. Donc la prison dans laquelle le bien-aimé se trouve, c'est la convoitise. Et quand vous êtes dans cette prison, je vous dis la vérité, vous n'allez jamais vous en sortir. Tu sors, alors comme c'est une grande prison, il y a des cellules, tu sors, tu te retournes dans nos cellules. Parce qu'il y a tellement de cellules dedans. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de cellules qui se profitent dans la grande cellule. Tu sors dans une, tu rentres dans une autre. Quand tu es dans une autre, le temps même de pouvoir respirer, tu commets encore le péché, ça te ramène encore dans l'autre, dans ton ancienne cellule. Le chef de la prison dit, attention, c'est l'acte que tu as commis, on te retourne encore là-bas. Tu es de ceux qui vivent par ce péché aujourd'hui. Et parfois même, quand il entend, il commence par pleurer, dire, comment je peux être délivré de ça? Alléluia. Ils font tout, on jeûne, tu fais tout, mais ils n'arrivent pas. Ce péché a triomphé. C'est les péchés qui ont besoin de délivrance. C'est pourquoi il faut les confesser. Les péchés, ça je disais tout à l'heure, le péché que tu caches, le péché que tu te quittes, pour toi c'est une honte. Alléluia. Le péché qui te fait honte, là, c'est la couronne que le diable t'a fait porter. Donc tu es couronné devant le diable. Ça, c'est un contrat, c'est un pacte qu'on ne peut pas rompre. Donc toi le diable, c'est comme si vous faites alliance, arrangement. Toi, ça ressemble toi et moi. Mais au jour du jugement, il viendra. On peut penser. Si tu n'iras pas au ciel, parce que toi et lui, vous êtes en arrangement. Tout péché que tu caches, tout péché que tu gardes, c'est ce que dit Adrien Fa. Il y a des gens, quand ils viennent voir les hommes de Dieu, ils vont dire une partie du péché. À celui-ci. Ils vont dire une partie à celui-là. Ils vont dire une partie à celui-là. Maintenant, on regarde pour lui. Alléluia. Vous voulez tromper qui? Dieu. Et c'est eux qui se plaignent. On n'a pas appris plus, ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas guéris. Mais les hommes de Dieu vont faire quoi? C'est pour homme de Dieu. Lorsque les brebis viennent vers vous, et demandent la première des choses que vous devez faire, c'est la vie du péché qui doit être traitée. Qui doit être traité en profondeur. Ne soyez pas pressé de prier pour quelqu'un. Alléluia. Ne soyez pas pressé de poser la main à quelqu'un. Non. Tant que le péché, l'abcès du péché n'a pas été totalement enlevé, on doit percer l'abcès. Enlever le vin du péché. Sinon, aucune guérison n'est possible. Sur la parole de Dieu, on va déchirer Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Nous, c'est le trou du pour entendre. Même si tu m'aimes, Dieu entend ta prière. Regardez tous les programmes que vous avez pris. Regardez tous les programmes de jeûne. On dit prière, venez de prier ici, on coupe. Venez de prier là, on coupe. Et on s'agenouille devant les hommes de Dieu. Priez, priez, priez. Amen, amen, amen. Dieu reçoit. Tu reçois quoi? Regarde tout ce que tu as reçu. Mais quel est le bilan qu'on peut faire de ça? Alléluia. Je vous ai dit et je vous le redis encore. Tant que vous ne traitez le péché dans votre vie, n'espérez rien de Jésus. N'espérez même pas le Saint-Esprit. C'est possible. Vous dites, ah ben, au Saint-Esprit. C'est le péché qu'on doit traiter. Le péché doit être en profondeur. Alléluia. Amen. On continue. Tous les prisonniers seront libérés ce soir. Tu es dans quelle prison, mon soeur? Mais tu es à Guantanamo. Tu es à Guantanamo, c'est ça? Donc, voilà. Le péché, voilà, c'est. Pas
Commérage. Congo, ça. Elle trouve un peu là, elle va multiplier. Elle trouve 5 là, elle va commencer à mourir. Congo, ça là. Quand on vient déjà la nuit, dès qu'on commence, même se lever là, ça ne va même plus se lever. Il y a la colère. Alléluia. Le commérage. La Bible appelle ça les œuvres de la chair. Commérage. 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 Comme Moulin Maïs. La Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Tous ceux qui font du commérage, c'est des pécheurs permanents, perpétuels. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Mais c'est péché, 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 péché. Et si jamais tu es en compagnie de quelqu'un qui fait le commérage, toi, tu pèches. C'est pas la Bible dit dans le livre de Somme 1. Heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des cœurs. Ils sont dans la même catégorie, ceux qui font commérage. Alléluia! Heureux! Celui qui ne se sent pas en compagnie. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester pour entendre les commérages. Tes oreilles écoutent quoi? N'est-ce pas? Les critiques. T'es la fait ci, t'es la fait ça. Alléluia! Mais toi-même, là, tu as fait quoi? C'est-à-dire que le diable s'arrange de manière à voiler leurs fautes pour exposer les fautes des autres. Et il ne faut que voir les erreurs des autres, mais jamais pour eux. Si vous n'êtes pas délivré du péché, je vous assure, le ciel vous ne peut pas entrer. C'est pas de vous dire, l'entrée au ciel est forcée. La Bible dit que l'entrée au ciel est forcée. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Tu es violent sur quoi? Est-ce que tu as violenté le péché? Ou bien tu te soumets au péché? Tu t'accroupis au péché. Tu fais allégeance au péché. Tu dois le violenter. Tu dois traiter durement ton corps. Tu dois l'assujettir. Tu dois assujettir ta bouche. Alléluia. Alléluia. C'est très important ce que nous disons ce soir. Oui, ma soeur. Dans quelle prison? La liste est tellement longue qu'il y a deux gouverneurs. Les deux gouverneurs? L'orgueil et la colère. L'orgueil et la colère. L'orgueil et la colère. Nous t'avions vous expliqué, il y a les péchés, bien voir. Quand ce péché-là, il y a l'autre. Amen! L'orgueil et la colère. Et toi, ma chère? Quel est le péché qui t'a maîtrisé? Il y a deux généraux. Deux généraux. Les inquiétudes et les soucis. Les inquiétudes et les soucis. Les inquiétudes et les soucis. À des moments, je me pose souvent la question. Pourquoi? 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 J'ai essayé, j'ai fait. Mais pourquoi? Parfois, je reste, je ne veux même pas que quelqu'un m'approche. Je cherche à comprendre certaines choses. Ça me... Caméra, venez devant. Alléluia. Et là, je sais bien que la parole de Dieu déclare que par vos soucis, vous ne pouvez pas ajouter même une seule coulée de vie. Ça, c'est deux péchés. Les inquiétudes et les soucis. Les inquiétudes, les soucis arrêtés, c'est les conséquences du péché. Alléluia. C'est les conséquences du péché. C'est le résultat du péché. Parce que les inquiétudes viennent lorsque
tout semble aller de mal en pis. Les soucis viennent lorsqu'on est dépassé, malgré les efforts, pas de changement. Mais qu'est-ce qui a favorisé les soucis? Qu'est-ce qui a favorisé les inquiétudes? C'est vrai! Les inquiétudes sont des péchés. Alléluia! Mais il y a quelque chose qui a généré la racine là. Ça qu'on va sortir. C'est ça qui est le péché. C'est ça qui est la prison. Ça, c'est les manifestations, les symptômes de ce péché qui donne les inquiétudes, les amertumes, les soucis, la tristesse. Mais c'est un état. Alléluia. C'est un état d'âme. Est-ce que quelqu'un me comprend là? C'est un état d'âme. Mais qu'est-ce qui a engendré cet état d'âme? Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est le péché. Le péché doit être localisé. Si vous êtes médecin, on vous amène un patient. Si vous ne pouvez pas attendre de faire un bon diagnostic, vous allez prescrire un médicament qui guérit mot de ventre pour parler. Et il va arriver le lendemain avec effet secondaire, effet ceci, effet cela. Le médicament ne correspond pas à ce qui a été prescrit. Parce que le diagnostic était mauvais. Alléluia. Et toi, à prison. Tu es dans quelle prison? Amen. Alléluia. Quand on parle de confession, moi, ce que je ressens premièrement, je parle de ça comme mon introduction. Je tremble dans mon cœur. Dans moi, là, je ne suis pas tranquille. Parce que j'en ai marre. J'ai la peur perpétuelle quand on parle de confession des péchés. Parce que je voudrais me débarrasser. Tant j'essaie, ce que je vois comme un péché qui a dominé. La peur. Non. De quoi? J'ai parlé de ça comme introduction pour me comprendre ce qui s'est passé. Ok. Très bien. Vas-y. Il y a les mauvaises pensées impudiques, les pensées impudiques. Et la convoitise. Parce que c'est en parlant, quand les autres parlent là, je commence à comprendre ce qui se passe en moi, qui va engendrer la masturbation dans les rêves. Je croyais que je faisais la masturbation avant. Mais quand j'ai lu, on dit la masturbation, c'est la stimulation volontaire des désirs charnels. Mais je crois que ce n'est pas ça, mais ce sont les pensées en moi et les convoitises qui vont engendrer ça. Vous avez compris ce que le frère a dit là? Vas-y. Et il y a une certaine chose aussi. Je ne supporte pas qu'on se moque de moi. L'orgueil. Je ne supporte pas. Même si j'ai fait mal, je me dis souvent, il faut dire ça tout simplement, je vais faire ce que tu veux. Mais quand tu te moques de moi, c'est comme si il faut que je ne sais pas de toi. Il faut que je parle loin. Je te laisse avec ce que tu veux. Vous suivez maintenant? Le Seigneur est d'orienter la prédication. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est que je vois le haut. Amen. Vous savez. Tout à l'heure, j'avais fait une publication sur les gens qui ont partagé ça. Dans la publication, c'est que ils ont écrit que la masturbation est une solution pour l'insomnie. Alléluia! La masturbation est une solution pour l'insomnie. Vous voyez la folie des hommes. Donc celui qui a de l'insomnie, il n'a qu'à se masturber. Vous savez, les livres, la littérature, les définitions nous trompent. Vous avez la définition qu'il y a dans la masturbation là. C'est-à-dire que dans la définition, on parle comme si c'est volontaire. Alléluia, c'est pas faux.
Mais, en réalité, lorsqu'on va commencer par décortiquer, c'est même pas cette définition qu'on va donner à la masturbation. C'est pourquoi même parfois, mais il y a le vocabulaire du monde, il y a le vocabulaire de Dieu. Il y a des mots dont la définition dans le Seigneur est erronée. C'est erroné. Alléluia. Amen. La masturbation est une solution pour les ennemis. Hey. Donc les gens du monde, quand ils vont lire ça, ils vont dire, mais c'est bien. Voyez comment le diable sème dans la pensée. Qu'on a dit. C'est pour que Dieu dit que c'est dangereux d'être païen. C'est ce que j'ai ajouté dans le commentaire et partagé. Parce que le païen ne connaît pas la parole de Dieu. Pour lui, ce qui est parole, ce qui va l'instruire, ce qui va le nourrir, c'est quoi? C'est ce qu'il va collecter sur Internet. La dernière fois, quand j'étais arrêté à l'aéroport de Libreville, on m'avait conduit dans une cellule. Alléluia! Je bénis le Seigneur Jésus parce que moi, j'ai goûté à une cellule une fois. Amen! On m'avait conduit dans une cellule. Et dans la cellule, j'étais avec un monsieur. C'est un musulman, un Nigérian. Il était là, je lui dis, mais mon gars, qu'est-ce qui t'a amené ici? Il m'a raconté, voilà, qu'il a pris bateau, il est venu, on l'a demandé papier, il n'a pas tout, on l'a amené ici. Et très bien, on t'a amené ici parce que je dois te parler de Jésus. Alléluia. Donc on a parlé de Jésus, tiré jusqu'à, il sonnait le nuit, puisqu'on était dans la cellule. Donc, le lendemain, les gens étaient venus pour apporter de la nourriture. C'est là que j'ai compris, la vie de prison, c'est pas si facile. Comment t'amènes sachet avec nourriture? Je dis, mais qu'est-ce que je parle? Je rêve de quoi? Alléluia! Donc, ils avaient amené la nourriture, ils ont déposé les positions, contrôlé la nourriture. Je dis, mais je ne comprends pas, je rêve de quoi? Donc, quand ils ont amené, je demandais à mon collègue de cellule, je dis, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on t'achète? Qu'est-ce qu'il me dit? Des cigarettes. Cigarettes. C'est des cigarettes ici, là. Moi, je vais chercher partout, tu vas te passer ici. Alléluia! Je dis pourquoi? Sinon, ça ne va pas. La tête dans la sécu, ça le calme. Je dis, ah bon? Donc, la cigarette est la solution pour les troubles que tu as. C'est-à-dire que vraiment, les problèmes que tu as, ça te calme. Tu penses ça? Il dit non, c'est une cigarette, ça va. Faites le pain, c'est que tu n'as aucune cigarette ici. Alléluia. Je donne la parole de Dieu qui va te calmer. Amen. Donc, les gens qui n'ont pas la parole de Dieu arrêtée, ils peuvent trouver solution dans ces choses. Pour quelqu'un donc, qui n'a pas de sommeil, on dit que, ah, pour ça, va te masturber. Comme quoi, la masturbation est la solution. Ça veut dire que le monde ne peut pas donner la solution au problème qui est là. C'est impossible. Ça veut dire que lorsque le monde va parler de paix, c'est alors qu'une ruine va survenir. Alléluia. Le monde ne peut pas donner la paix à quelqu'un. Impossible. La paix en Jésus. Tu ne peux pas te réfugier dans le monde en recherchant la paix. Non. C'est pas la paix, c'est le trouble de l'âme que tu vas recevoir. Alléluia. C'est pour vous de faire attention à tous ces conseils. Surtout maintenant, TikTok est devenu maintenant un laboratoire de conseils. Alléluia! Faites attention. Faites attention. Ceux qui croient à gauche à la recherche de conseils. La Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit est quoi? Est notre conseiller. On dit admirable conseiller. Ces conseils sont très bons. Mais quel conseil veux-tu si tu vas sur Internet? Et chacun est devenu conseiller aujourd'hui. C'est ceux qui n'ont ni tête ni queue. On parle pour donner conseil. Et ça, c'est les enfants de Dieu qui vont aller chercher ça pour appliquer. Alléluia. Tout de Dieu. Le péché, il y a une urgence. Il y a une urgence d'en finir avec le péché. Alléluia. Tout à l'heure, les autres parlaient de orgueil, parlaient de convoitise, parlaient de colère. Il y a deux péchés. Je vais vous expliquer. L'orgueil ne peut jamais marcher sans la colère. Mais Dieu. Alléluia. L'orgueil.
ne fonctionne jamais efficacement s'il n'y a pas la colère. Celui qui est orgueilleux est colérique, a la colère. C'est le même esprit. C'est le même esprit. L'esprit d'orgueil et l'esprit de colère. L'orgueil cherche à se surestimer au-dessus des autres. Et lorsque les autres ne lui donnent pas le privilège, attention qu'il lui doit, il manifeste la colère comme contrepartie. Alléluia. Celui qui a la colère aura du mal à être brisé. C'est pourquoi l'orgueilleux a du mal à être brisé. Celui qui est humble est moins colérique, est doux. Alléluia. Celui qui est humble est doux. Gloire à Jésus. Et la meilleure façon de vaincre l'orgueil, la colère, c'est pas prier feu, feu, feu. Non. C'est pas ça. C'est pas je chasse l'orgueil. Tu chasses l'orgueil, tu te charges toi-même. Alléluia. C'est toi-même le péché. Le péché est dans ta chair. Tu vas te chasser comment? Tu vas te chasser comment? Les péchés qui sont dans la chair ne peuvent pas chasser ça. Dis-moi Galates 5. Galates 5 rapidement. À part du verset 16. Galates chapitre 5, partie du verset 22. 16. Verset 16. Je lis au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Vous avez vu la solution là? Il a vu la solution. Quelle est la solution que la Bible a préconisée ici? Il a dit quoi? Relis encore. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est tout. C'est tout. Voilà la solution que le Seigneur donne sur son péché. Marchez selon qui? Selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, quand le Seigneur Jésus était sur terre, à chaque fois qu'il parlait, il dit, je ne veux pas faire ma volonté, mais la volonté du Père. Père, que ta volonté soit faite et non ma volonté. Alléluia. Jésus a toujours cette volonté qui lui est propre, mais il ne l'a jamais fait. Alléluia. Il ne l'a jamais accompli, mais c'est toujours la volonté de qui? Du Père, du Saint-Esprit. Celui qui, à chaque fois qu'il veut pousser une acte, il regarde quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui doit prédominer ta propre volonté. Pendant que l'autre te parle, si tu commences à sentir la colère en toi, quelle est la volonté de Dieu en ce moment? C'est la colère? C'est la colère? Si c'est la colère. Voyez maintenant. À chaque fois, lorsque quelque chose se passe en vous, voyez toujours le contraire. Dites, mais ok, est-ce que c'est la nature de Dieu qui est ça? Je sens la colère en moi. Mais est-ce que la colère fait partie de la nature de Dieu? Il dit, la colère n'est point en moi. Alléluia! Donc si la colère n'est point en Dieu, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de l'ennemi. Et c'est cette voix qui va te presser. Ça veut dire, ça donne une oppression. Donc il y a des points qui disent qu'on ne peut pas délivrer ça. Parce que l'esprit n'est pas dans la personne. C'est une oppression. Alléluia. Tu vas chasser du matin jusqu'au soir, tu ne verras aucun démon. C'est pas vous devez discerner dans les cas de délivrance. Vous savez que ça là, son traitement est à part. Il y a des délivrances qui prennent du temps. Vraiment du temps. Parce que la personne doit se dépouiller des œuvres de la chair. Pas te presser, dit imposez-moi la main, je serai guéri. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu dois te dépouiller des œufs de la chair. Si tu veux avoir la guérison, tu dois te dépouiller des œufs de la chair. Si tu veux avoir la restauration, tu dois te dépouiller des œufs de la chair.
marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tout ce que c'est les désirs de la chair, la convoitise, la chair. Alléluia. L'orgueil, c'est la chair. La colère, c'est la chair. Les querelles, c'est la chair. Les commérages, c'est la chair. Les calomnies, c'est la chair. Les dénigrements, c'est la chair. La magie, c'est la chair. La dissolution, la chair. Les clameurs, la chair. Alléluia. L'impudicité. L'impudicité. Vous savez que l'impudicité a une place spéciale dans la hiérarchie des péchés. Alléluia. L'impudicité a une place spéciale dans la hiérarchie des péchés. C'est-à-dire que sa place là est à part. C'est-à-dire que c'est le summum des péchés. Je veux dire, quand je dis le summum, c'est déjà le pas dit que les péchés qui sont en ne sont moins faibles ou bien Dieu a un traitement particulier. Non, c'est pas ça. L'impudicité, parce que ça concerne le temple de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le temple de Dieu même qui est engagé dans ce péché. La masturbation, c'est le corps de Christ qui est engagé dans ce péché. L'adultère, c'est le corps de Christ qui est engagé dans ça. C'est pourquoi il dit, celui qui va détruire le temple de Dieu, c'est pas dit, il ne fallait pas au démon. Non. Celui qui va prendre le corps de Christ pour en faire un corps de prostituée, Dieu le détruira. La destruction divine, quand ça vient, c'est là où vous avez tous les problèmes. Votre vie devient vide. C'est ce qu'on appelle le chaos. Là. Au commencement, la terre était informée vide. Alléluia! Votre vie devient informe, vide. Alléluia. C'est là qu'une forme, aucune vie, tout est désert. Tout ce que vous faites échec parce que la destruction de Dieu est sur vous. Vous devez faire attention. Vous devez faire attention à la manière dont vous utilisez le temple de Dieu. Du moment où vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous devenez prisonnier de Christ. Le prisonnier dépend de son maître. Tu ne t'appartiens plus à toi, mais c'est fini. Tu n'as plus de désir. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas encore morts au péché. Vous avez vu tout ce que vous avez dit, que vous n'êtes pas encore morts au péché. Vous n'êtes pas encore mort au péché. Et tant que vous n'êtes pas mort au péché, vous n'avez pas la nature de Christ. Vous n'avez pas la vie de Christ. La vie de Christ n'est pas encore en vous. Vous êtes encore charnel. Vous êtes encore du monde. Alléluia. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si encore vous êtes ressuscité, pour rester avec Christ, il faut d'abord mourir. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore mort. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi facilement vous vous mettez en colère. C'est pourquoi facilement quand une femme passe là, tu vois fesse dans ta tête, bionne. C'est que tu deviens, oh, c'est comme s'il y a des chats dans ton corps. Alléluia! Tu es encore vivant! Tu n'es pas encore mort! Quand tu vois un homme qui a une moto, et qui, tes yeux commencent par bouger. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore mort. Alléluia. Si tu n'es pas mort, donc tu n'es pas encore ressuscité. Tu es encore parmi. Alléluia. L'église est remplie de paniers. Le corps est rempli de païens. C'est pas dit que c'est pourquoi vous êtes malade. Et beaucoup en sont morts. Parce que vous méprisez le corps.
et le sang du Christ. Pourquoi profaner le sang de la rédemption? La Bible dit marcher. Marcher selon l'esprit. Et plus tard, la Bible dit encore quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Qu'est-ce que votre cœur affectionne? N'est-ce pas les choses d'en bas? C'est pourquoi vous avez tous ces luttes là. Mais c'est ça. Quelles sont les choses d'en haut auxquelles nous devons affectionner? C'est ça la question. Notre cœur doit être tourné vers le haut. Parce que si notre cœur tourne vers la terre, l'or, l'argent, le diamant, la gloire, toutes ces choses-là, nous allons périr avec ces choses. La solution à votre problème, bien aimé, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Pour marcher selon l'esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment marcher selon l'esprit? Alléluia. Comment marcher selon l'esprit? Voilà la question qui va se poser. Ça veut dire, je ne veux plus marcher pas de vaines manières. Je veux plus être conduit par mes émotions. Je veux plus être conduit par mon âme. Alléluia. Non. Je dois savoir que les sommets, mon âme doit être soumise à la volonté du Saint-Esprit. Mon âme, les désirs que tu éprouves maintenant, ce n'est plus ces désirs, mais c'est les désirs du Saint-Esprit. La discipline de votre âme s'impose. La discipline de vos émotions se pose. Tu dois apprendre à discipliner ta vie. Très important. Très important. Tu dois savoir que, ah, mes lèvres, si quelque chose doit sortir de ma bouche, la Bible dit que cela édifie. Que cela rende grâce. Que cela honore Dieu. Et quand je prends ma bouche, pour parler mal, pour commérer, pour dire ci, pour dire ça, pour rapporter les commérages. En quoi ça glorifie Dieu? C'est toutes ces choses-là qui sont dans vos vies et que le diable veut s'asseoir. Il est venu s'asseoir dans vos vies et rien ne va. Au lieu de se plaindre que, oh la rigueur, je dors, on vient me parler, couteau pour m'agresser. Au lieu de chercher à tout ce soir, ça, là, chercher plutôt qu'est-ce qui a amené celui-là dans ta vie. C'est la question. Ça. La gloire de Dieu n'est plus dans ta vie, c'est pourquoi. La protection de Dieu n'est plus dans ta vie, c'est pourquoi tu es exposé. La main de Dieu ne te dirige plus, c'est pourquoi tu vas à la perdition. Dieu ne contrôle plus ta vie, c'est pourquoi tu échoues. Mais si tu marches avec le Dieu d'Israël, tu ne choueras pas. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, l'heure est grave. L'heure est grave. Nous devons refléter cette bonne image de Christ. Alléluia. Le Seigneur veut guérir quelqu'un de ce mal profond, le péché. Mais la personne doit prendre une décision. Cette personne doit prendre une décision. Alléluia. Amen. Tu dois prendre une décision ce soir. Gloire à Jésus. Amen. Et dis,
Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté. Amen. Si tu as la bonne volonté, tu dis maintenant là, je réalise que vraiment, cette vie que je mène, vraiment, cette vie est totalement en opposition à la volonté de Dieu. Et que tu prends la décision de changer radicalement de mode de vie. Au lieu quand tu vois la convoitise, tu dois demander à l'Esprit de Dieu, en lui au plat de convoitise, qu'est-ce que je dois rechercher? La Bible dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si tu veux en finir avec la convoitise est chose de la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si mon âme veut me tirer vers le bas, mon âme, mon esprit doit me tirer vers le haut. C'est ce combat. C'est ce combat. Je dois affectionner au chaud d'en haut. Il y a quoi en haut pour que j'affectionne? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y a en haut? La Bible dit qu'il y a quoi en haut? Il y a quoi en haut? Il y a quoi? Il y a quoi en haut? La gloire. La gloire. Oui, quelle est cette gloire? Elle est comment? Elle est comment? Éternel. Éternel, oui. La tête bien comment? Incorruptible. Ça se manifeste? Donne le micro, s'il vous plaît. Pour pas que ce soit moi qui parle à sa place. Il faut que vous compreniez réellement ce que Dieu vous demande. Mm-hmm. Bon, je pense à la question que je viens de dire que c'est le fruit de l'esprit. Les choses qui sont en haut sont le fruit de l'esprit. Les choses qui sont en haut, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. On va mieux expliquer ça maintenant. C'est pas encore ça. Alléluia. On dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, il y a des choses qui sont en haut. Il y a des choses qui sont en haut. Oui. Par exemple, en haut, il n'y a pas le doute en haut. Il n'y a pas le doute. Il n'y a pas le doute en haut. Oui. La peur, le jour. Mais il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Il n'y a pas, il y a quoi? Ça. Il n'y a pas là. Bon, d'accord. Mais il y a quoi là? Il y a quoi alors? Il y a la joie. La joie. Il y a aussi. Il parle de la joie. J'ai englobé tout en fait. Mais il n'y a pas la joie sur la terre. Mais la joie sur la terre, une joie conditionnée. Une paix conditionnée. Une paix conditionnée. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Il a quand même l'idée. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur a dit n'est pas faux, mais c'est parce que le Seigneur. Alléluia. Amen. Les choses dans vous. Affaissez vos choses dans vous. Oui, là, c'est bon de Dieu. Oui. Les choses dans vous. Oui, c'est que je. Par là, c'est de chercher la pureté. La pureté. La justice. Parce que si un homme pour vivre avec et selon Christ, ses yeux doivent être rivés vers le Seigneur. Mm-hmm. Son cœur doit être tourné vers le Seigneur. Mm-hmm. Et quand tu regardes le Seigneur, ces péchés s'en vont seuls. Mm-hmm. Parce que quand tu es connecté au plan de grâce de l'Éternel, mm-hmm. beaucoup de choses s'en vont sans que tu ne t'en aperçoives. Mm-hmm. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez écouté la servante de Dieu? Recherchez les choses d'en haut. La dit. La pureté, elle a parlé de la pureté. Elle a parlé. Alléluia. De la vie. C'est ça, non? De la pureté. De la justice. Alléluia. Vous savez, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais faire la volonté de Dieu. Vous serez toujours dans la chair. Parce qu'arrivé là, elle dit, affaissez vos choses d'en haut. Mais il y a quoi en haut dans la personne? Ça. Et pour que cela maintenant soit la rechute permanente de ton cœur.
Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu 6? Lisez-moi Matthieu 6, rapidement. Verset 31. Verset 33, voilà, que nous connaissons tous. Rapidement, rapidement. Matthieu 6, verset 33. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mm-hmm. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Recherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Quand on parle de justice de Dieu, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? On parle de Jean. Quand on parle de quoi? La sainteté. On parle de quoi? De la volonté. De la volonté, oui. Il y a un thème technique. Le thème et le mot justice sont inséparables. On parle de la loi. Alléluia! De la loi! De la loi. De la parole. Alléluia. Des ordonnances de Dieu. Des commandements de Dieu. Celui qui, son cœur est tourné vers le ciel en réalité, son cœur est tourné vers Christ. Alléluia. Son cœur est tourné vers Christ. Et Christ reflète son cœur dans son cœur. Alléluia. C'est comme si les deux cœurs se font face. Le cœur de l'homme se tourne vers Christ. Et le cœur de Christ se tourne vers l'homme. Et les deux deviennent comment? Hein? C'est pourquoi la soeur parlait de la joie, de la paix, tout ça là. C'était pas trop cool, mais c'est pas ce que je voulais. Les? Je n'entends pas bien. Revêtu Christ. Oui, revêtu Christ, ça c'est. On en vient là. Ça c'est la finalité, ça. C'est la finalité. Les choses qui sont en haut. Il y a quoi en haut? Quelqu'un parle de la vie éternelle. Quelqu'un parle de quoi encore? La pureté et la justice. D'accord. Si vous lisez bien Apocalypse, Apocalypse a décrit le ciel. Alléluia. Nous a décrit comment le ciel a orné. Nous a décrit le paradis, nous a décrit la vie qui est là-bas. C'est pour la plus là-bas du poids de gloire éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez sur cette terre-là est périssable. Alléluia. Est périssable. Les mêmes choses se trouvent encore au ciel, mais éternelles. Alléluia. C'est pourquoi au lieu de regarder ces choses qui périssent, plutôt il faut regarder. C'est-à-dire qu'il faut faire comme Étienne, qui a regardé la gloire de Dieu comme ça, parce qu'on le lapidait, ne s'en aimait pas. C'est ça. Lorsque votre cœur est tourné vers Dieu, est tourné vers les choses d'en haut, même si le monde vous fait la cour, vous êtes insensible. Vous êtes insensible. Les gens peuvent vous jeter la pierre, mais ça ne vous dira rien. Parce que vos regards sont sur Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Le Seigneur veut ce niveau de transformation de notre cœur. Nous devons désormais marcher selon l'esprit. Et désormais, les péchés que vous avez dit, les uns, les autres, vous allez les vaincre. Parce que devant l'œuvre de l'esprit, devant l'esprit, ces péchés ne peuvent pas durer. Christ les a tous crucifiés dans sa chair. Oui ou non? Amen. Christ a crucifié la convoitise dans sa chair. Il a fini avec le péché. Il a fini avec l'orgueil. Il a fini avec la jalousie. Il a fini avec les médisances. Dans sa propre chair. C'est pourquoi quelqu'un parle du revêtement de Christ. Elle dit revêtu de Christ. Ce que nous disons, c'est que quand on va quitter ici maintenant, quand on va finir cet enseignement, on va prier, on va rentrer à la maison. Les vies ne vont pas encore changer. Parce que la parole doit toucher jusqu'à la profondeur du péché. Pour pousser le péché, pour le déloger.
Sinon, on s'en de prier le matin jusqu'au soir. Prière, même chose. Prière. Oh, je lis, je casse, je détruis, je casse, je déplante, je déracine, je fais ci, je fais ça. Hey! C'est quoi? Qu'est-ce que je déracine comme ça depuis là? On doit déraciner le péché en marchant par l'esprit, en affectionnant aux choses d'en haut, en portant nos regards sur Christ, en développant la vie de Christ. Alléluia. Marchons selon l'esprit. Marchons de manière digne de la vocation qui a été adressée à chacun de vous. Et quelle est cette vocation? La vie de sanctification. La vie de sanctification. Vous êtes séparés de tout ce que vous avez dit là. Christ vous a libérés de tous la prison. Abbé dit, si le Fils vous a franchi, c'est que vous êtes réellement libre. Si vraiment Jésus a vaincu le péché, donc vous êtes réellement libre du péché. Le péché ne peut plus habiter votre corps. Non. Tu dois refuser le péché. Tu ne dois pas habiter mon corps. Non. Parce que tant que le péché habite ton corps, les démons viendront toujours se nourrir. Ah oui. Que le péché est là, le sorcier de ton village là, qui est nouvellement initié aujourd'hui là, viendra s'asseoir, détruit ta vie. Parce que le péché lui donne le pouvoir. Plus le péché s'enracine en toi, plus il a du pouvoir sur toi. Maintenant, plus ta vie de sanctification s'intensifie, moins il a d'autorité sur toi. Alléluia! Parce que la sainteté est comme un feu. Alléluia. Qui couvre tout enfant de lui qui marche selon l'esprit. Si vous marchez sur l'esprit, l'esprit vous couvre de son feu. Regardez Israël. La Bible dit que pendant le jour, il y avait une colonne qui les accompagnait. Qui était leur assurance, qui était leur sécurité. Le diable ne peut pas. La nuit, les seuls feux. C'est ça, un enfant de Dieu. Mais quand tu pêches là, Le feu diminue. Ça devient ténèbres. Donc tu marches avec les ténèbres. Le peu de feu qui est en toi n'arrive pas à contrecarrer les ténèbres. Il faut que le feu soit éclatant pour chasser les ténèbres. Il faut que la lumière soit puissante. Et cette lumière dépend de ta vie, de ta marche, de comment tu as traité le péché. Si tu quittes ici et tu te retrouves encore dans ces péchés, le diable va te traiter durement. Alléluia! Parce que le Seigneur t'a sorti de cette prison et t'a mis dehors de la prison. Maintenant, tu es libre de rentrer chez toi à la maison. Tu es libre de te retrouver encore dans la prison ou de rentrer chez toi à la maison. Il ne va pas t'amener à la maison. Jésus ne va pas t'amener à la maison. Il te sort de la prison, te dépose au portail. Je dis maintenant, décide-toi. Tu es libre. Retourne-toi encore ou rentre chez toi. Mais c'est gars à toi. Si tu te retournes, ta sortie sera compliquée. Alléluia. Il y a un prisonnier qui sort, qu'on le récupère. Vous pensez qu'on le met encore dans la maison? Vous n'avez jamais vu ça? Non, dites-moi. Un prisonnier qui a été libéré, qui a été évadé, on a mis la main sur lui, on le ramène dans la prison, il n'ira plus jamais dans la même cellule. Non. On va le mettre dans une cellule isolée. C'est que le diable va t'achever, va finir avec toi. C'est pas ce que tu entends. Il faut que ça travaille ta pensée. Il faut que dès maintenant tu comprennes que, attention, moi qui ai la haine, parce que soit qui a la haine, tu n'es pas différent de sorcier. Alléluia. Amen. Tu n'es pas différent de sorcier. Amen. Dit que celui qui va dire raca à son frère mérite quoi?
La mort. C'est Jésus qui a dit ça. Hein? C'est pourquoi le diable réclame. Il réclame votre âme parce qu'il a ça sur vous. Il a ça chaud dans ta maison. Donne-moi la colère, donne-moi la convoitise, donne-moi les inquiétudes, donne-moi la haine. Alléluia. Si tu ne donnes pas, il va réclamer. Il va dire, Dieu, ton fils là, là regarde, il a ma chaussure, toi, mais tu sais. Dieu, là, c'est là que vous devez comprendre, chers frères. Vous qui êtes dans les combats sans issue, sans vraiment, sans compréhension, on ne sait même pas ce que vous combattez là. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Dieu ne regarde pas vos gémissements. Hein. Non, hein. Je pleure, Dieu. Hey, Dieu ne regarde pas ça. Hein. Tu peux pleurer du sang. Dieu ne connaît pas ça. Il connaît ça par parole. Arrête-toi de te lamenter. Une petite arrêt apparaît dans ce que. Tu ne peux pas prier. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, tu sauves où? Prie! Vous devez savoir que ces cordes du péché, vous devez les jeter pour toujours. Ne retournez plus mettre votre tête dans ces cordes. Si tu fais rien, le diable va tirer, va finir avec toi. Alléluia.